Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire l'exercice 2 de pratique de blues. La dernière fois, on avait vu la gamme mineure. Cette fois-ci, on va voir la gamme majeure de blues. Si vous n'avez pas assisté à l'exercice 1, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur ma vidéo, ma dernière vidéo. Et puis, je vais juste vous rappeler ce qu'on va faire à la main gauche, parce qu'on va faire exactement la même chose à la main gauche, c'est-à-dire une main gauche très simplifiée, en suivant la grille qui s'affiche maintenant au-dessus de votre écran. Vous devez avoir à la main gauche les trois accords Do, septième, Fa septième et Sol septième. Et au lieu de faire toutes les notes, on va juste faire tierce et septième. Donc la tierce septième de Do, ce sera Do mi bémol, la tierce septième de Fa, c'est La mi bémol, et la tierce septième de Sol, c'est Si et Fa. Donc Do, Fa, Sol. Voilà. Maintenant, on va reprendre qu'est-ce qu'une gamme majeure blues? Une gamme majeure blues, c'est en Do, Do, Ré, Mi bémol, Mi, Sol, La, et on revient en Do. Donc, en fait, c'est une gamme pentatonique, Do, Ré, Mi, Sol, La, avec ce mi bémol en plus, qu'on pourra dire être la blue note de la gamme blues. Mais ça, on pourra en reparler dans une vidéo peut-être un peu plus théorique là-dessus. Pour l'instant, on va se contenter de jouer cette gamme et de faire des montées et des descentes suivant la grille. Au niveau du doigté, 1, 2, 3, on revient sur 1, 2, 3, on va jusqu'au 5, et après, hop, on saute, et on revient 2, 3, 1. Etc. Au niveau du temps, on va mettre un métronome, on va le mettre sur 60 à la noire, donc on rappelle 4 temps par mesure, et puis on va y aller tranquillement. C'est parti! 1ère étape. Deuxième étape, si vous voulez, vous pouvez mettre plus rapidement. Là, je mets à 80 par exemple. Ensuite, on va revenir sur le swing. Et donc, pour rappel, le swing, c'est donc si on va faire une montée, thank you.
peux essayer de remettre 60 à la noire. J'enclenche le métronome. Donc le rythme c'est... c'est-à-dire les triolets. Donc triolet, c'est trois notes sur une noire. Donc trois notes par temps. On va le mettre sur 50 et puis du coup, on aura 3 par temps, donc 12 par mesure. Allez, on essaye. Donc ça fera 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. À essayer de... à 60 et puis on va essayer de se balader un petit peu sur la gamme sans forcément aller toujours aux mêmes endroits. Ce côté à se balader sur la gamme, donc à des fois jouer plusieurs fois la même note ou monter d'une octave. C'est l'occasion d'essayer de faire peut-être plusieurs notes à la fois. Donc par exemple, sol, do sont des notes qui sonnent bien. Et puis mi sol évidemment. Là, on reste sur
sur un accord de Do finalement. Aussi, vous pouvez faire ce qu'on appelle des appoggiatures, donc des glissements. Par exemple, avec le majeur, et puis glisser sur si bémol, mi bémol, si mi. Le si bémol n'est pas partie de la gamme de blues majeur, mais il fait partie de la gamme de blues mineur, donc on peut l'accepter. Maintenant, une chose que vous avez peut-être remarqué, c'est que quand je suis en do, j'ai tendance à utiliser le mi bémol comme une note de passage. Et puis, quand j'arrive sur le... Parce que faut dire que le Mi est quand même la tierce majeure de Do. Et on joue en Do septième. Donc on est forcément sur un Do majeur. Donc, effectivement, ça sonne... C'est intéressant comme tension. Mais généralement, elle se résout sur le Mi. Et quand on est en Fa, eh ben, on se trouve avec un Mi bémol parce que le Fa septième, la septième de Fa, est un Mi bémol. Du coup, de jouer un Mi sur l'accord de Fa donne aussi cette tension. Mais cette fois-ci, il faudrait mieux la résoudre. Et puis, c'est pour ça qu'on a tendance à jouer, quand on est en Fa, plutôt sur le mi bémol et moins sur le mi. Ça veut dire que si je suis là en do, vous avez vu que on a tendance à faire ce genre de... Donc on va jouer plutôt mineur sur la partie fa. Ça, c'est quelque chose qui se fait très souvent. D'ailleurs, on peut très bien, sur le Do ou le Sol, jouer la gamme majeure de blues. Et sur le Fa, jouer la gamme mineure. Choses sur ce deuxième exercice, et puis peut-être que la prochaine fois on verra plus justement cette combinaison de ces deux gammes blues mineur et blues majeur, et puis ensuite on pourra étoffer un peu la basse. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et puis on se retrouve très bientôt pour la partie 3 de ces exercices. Bonne fin de semaine, au revoir.